Thank you.
Thank you.
Première partie du peloton pointée à 25 secondes de la tête, 25 secondes. La seconde partie pointée à 32 secondes, 32 secondes. Par lui mettre les fleurs, s'il vous plaît. Alicia qui va lui remettre les fleurs. Voilà, c'est ma petite fille. Alors c'est pour ça que je lui ai demandé de rester à côté du coureur, s'il vous plaît. David, hier tu l'emportes, tu rapasses quelques primes. Aujourd'hui les primes ont été encore un peu moins grasses qu'hier parce que Jean Gilet, il était un peu plus donnant que moi, mais c'est vrai qu'il faut faire les comptes. Quoi qu'il en soit, tu t'en sors avec un très bon week-end quand même. Oui, bah, je sors du Tour de Normandie et je savais qu'aujourd'hui... sans se mentir, la concurrence ici était un peu moindre que sur une élite. Et je savais que ouais, j'avais possibilité de faire des bonnes choses ce week-end. Et voilà, c'est concrétisé, on va dire. Voilà, alors, toi qui as bourlingué sur toutes les routes de France quasiment, ta plus belle victoire, c'est pas aujourd'hui bien sûr, parce que tu en as fait de belles victoires quand même. Ouais, j'ai gagné la Gislar il y a quelques années maintenant, sous les couleurs de Laval déjà. Bah, derrière, c'était quand même des Julien Duval, ouais, des Nantes-Segret. Après, Nantes-Segret, il y avait un peu moins de niveau, mais ouais, à la Gislar, il y avait des Julien Duval, des trois dans l'échappée, il y avait trois pros et trois anciens pros. Et c'est vrai que bon, souvent, avant de savoir si on marche, il faut regarder qui on a battu. Et ouais, à la Gislar, j'avais battu du beau monde. Maxime Dransart faisait partie de ceux qui étaient costauds au début d'étape aussi, mais finalement, il n'a pas pu suivre le rythme imposé par les hommes costauds. Ouais, Maxime l'a dit, il était un peu frustré hier de ne pas être devant et il voulait faire l'étape à bloc et je pense qu'il a laissé beaucoup de plumes quand ils étaient à deux. Après moi ça m'a permis aussi d'être assez concentré dans la course et de ne pas avoir besoin de faire trop d'efforts quand ça attaquait, juste suivre parce qu'il était devant. Voilà, c'était donc une course qu'on a réfléchi, qu'on a tout simplement mis un petit peu dans la tête qu'il fallait peut-être aller jusqu'au circuit final, parce que ici à l'Estevin, c'est souvent sur le circuit final que ça se décante. Ouais, le circuit final est très dur. En plus, là, le vent était super bien exposé parce qu'on avait un peu le vent de face dans la bosse et tout de suite derrière, on prenait vent de dos. Et c'est vrai que c'était vraiment. Le vent était vraiment très bien situé aujourd'hui, quoi. Si on avait pris vent de face après la bosse, c'est vrai que ça aurait un peu plus cadenassé la course, mais là, c'est vrai que c'était parfait. Merci David, saluez-le comme il se doit par des applaudissements. Vainqueur hier, vainqueur aujourd'hui, David Boudville. Merci David.